Maintenant, levons-nous et acclamons le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Marcello Tounassi. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclamons Jésus plus fort. Yes! Il est digne de recevoir l'honneur, la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Celui qui dit un mot, la chose arrive. Celui qui amène à l'existence ce qui n'existe point. Jésus, Jésus, je te veux près de moi, Jésus, sentir ta sainte présence, écouter ta puissante voix. Toucher ton saint visage, je te veux près de moi, Jésus. Sentir ta sainte présence, écouter ta puissante voix, toucher ton saint visage. Je t'ai cherché partout, enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. J'ai besoin de toi. Pour conduire mes pas ici-bas. Je t'ai cherché partout, enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout, enfin je t'ai trouvé. Enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Mes pas, conduis mes
soir. Alabashea Baba. Hallelujah. Ne t'éloigne pas de moi, Seigneur. Fortifie-moi quand je suis faible. Répands tes dons sur moi. Intensifie ton feu. Ne t'éloigne pas de moi. Fortifie-moi quand je suis faible. Répands tes dons sur moi. Intensifie ton feu. Ne t'éloigne pas de moi. Fortifie-moi quand je suis faible. Répands tes dons sur moi. Intensifie ton feu. Si tu parles en d'autres langues, parle en d'autres langues. Shirababa siraba shaya. Surebababa sintele bebe shanga rabasaya rabasha. Surabasere bababa shaya. J'ai besoin de toi. 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 J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Esprit, j'ai besoin de toi, Esprit, j'ai besoin de toi, Esprit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Esprit.
bénis ton peuple. Parle encore, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous mouvoir sous l'onction de ton esprit. Et que ce soir, ta gloire éclate parmi nous. Que les malades soient guéris ce soir. Que les captifs, Seigneur, soient délivrés ce soir. Que ta puissance s'abatte sur ton peuple. Que ton peuple soit baptisé du Saint-Esprit, rempli de ton esprit révolutionné. Je te le demande, Père. Au nom de Jésus-Christ, répands la joie du Saint-Esprit parmi nous. J'ai ainsi prié. Amen. Clap your hands for Jesus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bonsoir à chacun de vous. Pour tous ceux qui désirent notre livre, vous pouvez l'avoir sur www.marcellotunacibooks.com. Vous pouvez le télécharger et l'imprimer. On m'a dit qu'il y a un stand pour cela. Vous pouvez vous y rendre pour qu'on vous aide à y parvenir. Le thème de mon message ce soir, c'est la différence entre un fils et un enfant. La différence entre un fils et un enfant. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, à ton voisin de droite, à ton voisin de devant, à ton voisin de derrière, à ton voisin qui te sourit. Acclamons le Seigneur. Merci chorale. J'aurai besoin de vous à la fin. Amen. Nous allons chanter. Din, 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 din. Vous gardez ça. Amen. Je veux prêcher sans le synthé. Le synthé, j'aurai besoin de toi à la fin. Je te dirai quand. Amen. Acclamons pour eux. Vous êtes formidables. On croirait qu'on a fait une répétition ensemble, mais ils ont le Saint-Esprit. Ils savent couler dans un nouveau cantique. Vous êtes formidables. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il change vos vies pendant cette conférence, qu'une onction nouvelle tombe sur vous et que vous puissiez le servir dans une autre dimension. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens 13, versets 9 à 11. La Bible dit, 1 Corinthiens 13, 9 à 11, « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » La différence entre un fils et un enfant, c'est la continuité de notre message d'hier sur la maturité spirituelle. Au travers de ce passage, nous avons tellement d'enseignements et déjà, nous pouvons comprendre que la perfection chasse toujours l'imperfection. Paul dit que quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. La perfection chasse toujours l'imperfection. La totalité chasse toujours la partialité. La réalité chasse toujours l'ombre. Et l'homme chasse l'enfant. Lorsque l'homme, le fils, se manifeste en toi, l'enfant est chassé. On ne peut être dans la perfection et l'imperfection simultanément. On ne peut être dans la réalité et l'ombre au même moment. On ne peut être homme et enfant en même temps. On ne peut être fils et bébé au même moment. Soit on est fils de Dieu, soit on est un enfant, soit on est un inconverti. Et en ce lieu, il y a des fils, il y a des enfants,
et il y a des inconvertis qui ont besoin de recevoir Christ. Soit on est mûr, soit on n'est pas mûr. Soit tu as connu la maturité en Christ, soit tu es encore dans l'enfance, quelle que soit ta position. Et Paul s'inspire ou part du naturel pour expliquer le spirituel. Il part de ce qui est facile, qu'on peut comprendre pour expliquer ce qui est difficile, qu'on ne peut comprendre. Il part de ce qui est concret pour expliquer ce qui est abstrait. Et c'est une pédagogie que Jésus-Christ avait dans son ministère, c'est pourquoi il utilisait beaucoup des anecdotes et beaucoup d'images afin que l'homme comprenne les choses du royaume. Et sachez ceci, s'il y a une différence entre un enfant naturel et un homme naturel, il y a aussi une différence entre un bébé spirituel et un fils spirituel. Car Paul parle tout d'abord d'un enfant, mais pour parler d'un enfant, nous entrons d'abord dans le physique. Et si, je vous assure, il y a une différence entre un enfant physique, naturel, et un fils naturel, il y a également une différence entre un bébé spirituel et un fils spirituel. Et Paul dit, « Lorsque j'étais enfant, au verset 11, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais comme un enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. » J'aimerais préciser ceci, avant d'entrer en profondeur, que la maturité spirituelle n'est pas fonction de l'âge physique. Des fois, nous remarquons dans les églises, lorsque parmi les anciens, on établit un jeune, on dit non, lui ne peut pas être un ancien de l'église parce qu'il est jeune, et on aime que les anciens de l'église soient des vieillards avec des cheveux blancs, et là tu es ancien de l'église, alors que des fois, quelqu'un peut avoir des cheveux blancs mais n'a pas la maturité spirituelle, et un jeune qui a 30 ans peut être un ancien à l'église. Alléluia. Donc je ne parle pas de l'âge physique, ni des années faites à l'église, car il est possible d'avoir 10 ans à l'église tout en demeurant immature, ni même le ministère, car il est possible aussi de servir Dieu tout en étant immature. Il y a des prédicateurs bébés, il y a des enseignants bébés, et cela vraiment est vrai. Nous voyons que la parole qui est donnée, c'est à l'église de Corinthe, qui était une église remplie des dons spirituels, remplie des charismes, et Paul est en train d'enseigner sur la maturité. Bien-aimés frères et sœurs, la maturité ne provient pas des cheveux blancs, de la calvitie. Et lorsque Paul dit que je suis devenu grand, il n'a pas dit j'ai eu la calvitie des cheveux blancs, mais il parle de son raisonnement, il parle d'une transformation au niveau de ses paroles, de son raisonnement, de ses pensées, de sa réflexion. C'est là qu'il situe la maturité. Il ne situe pas la maturité au niveau physique, au niveau de la calvitie, des cheveux, de la barbe, de la voix. Mais il dit, quand j'ai grandi, j'ai changé ma manière de penser, j'ai changé ma manière de réfléchir, j'ai changé ma manière de parler. Alléluia. Ainsi, il révèle que la maturité, c'est à l'intérieur tout d'abord, parce que les paroles sortent de l'intérieur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La pensée est intérieure, le raisonnement est intérieur. Et c'est le raisonnement, la pensée qui engendre le comportement, les actions. Paul veut placer la maturité, place la maturité au niveau du caractère. Alléluia. Quand j'ai grandi, j'ai changé ma manière de parler, j'ai changé ma manière de réfléchir, j'ai changé ma manière d'agir et de réagir, car si tes pensées changent, tes réactions également changeront. Alléluia.
Il a commencé à vivre comme un fils. Il a commencé à vivre Christ quand il a mûri. Il a eu la pensée de Christ, le raisonnement de Christ. Il a commencé à parler comme Christ et il a pu manifester Christ. Alléluia. Voyons à présent la différence entre un enfant naturel et un enfant physique, un fils physique. Et je veux faire des applications spirituelles et je vous assure, vous serez étonnés à quel point nous ressemblons à des enfants. Tout d'abord, les enfants sont destructeurs. Tu achètes un jouet à un enfant, je crois minimum en une semaine, il va le démolir parce qu'il voudra ouvrir ce jouet, vérifier comment il fonctionne jusqu'à le casser. Ce même jouet qu'il t'a demandé avec joie, qu'il t'a supplié de lui donner, achète-moi, achète-moi, achète-moi. Une fois que tu lui achètes ce jouet, il le casse, il le détruit. Pourquoi? C'est un enfant. Il ne connaît pas la valeur des choses. Il ne sait pas que ça t'a coûté de l'argent, que tu as dû prendre tes économies pour lui faire plaisir. Lui, il doit ouvrir ce jouet, vérifier comment ça marche. Et lorsqu'il a détruit, ça lui fait rien, il réclame un autre jouet. Mais les fils, au contraire, gardent leurs jouets. Les fils, au contraire, bâtissent, construisent. Alléluia. Il en est de même dans le domaine spirituel. Les enfants spirituels détruisent. Ils détruisent l'œuvre de Dieu. Ils détruisent l'église. Ils détruisent le ministère. On leur confie un département et ils détruisent le département. On peut lui confier deux ou trois personnes. Pour lui, ce ne sont que trois personnes. Il deviendra sérieux lorsque Dieu va lui confier 3000 personnes. C'est quand il va les prendre au sérieux. Et il amène celui-ci à abandonner la foi. Celui-là rentre dans le monde. Ça lui dit rien. Ce n'était que trois personnes. Parce qu'il ne connaît pas la valeur d'une âme. Il ne connaît pas la valeur d'une âme. Jésus m'a enseigné la valeur d'une âme. Bien-aimé, j'ai commencé l'église Compassion avec 3 personnes. Aujourd'hui, nous voulons atteindre 7000 personnes, mais j'ai commencé avec 3 personnes. Je connais la valeur d'un homme, de 2, de 3, de 4. Que vous soyez nombreux ou pas nombreux, je prêcherai la parole. Et nous voyons Jésus-Christ qui révèle les mystères de l'adoration à une femme, la femme samaritaine. Ce n'était pas une foule, mais il a donné le meilleur de lui-même parce qu'il connaissait la valeur d'une âme parce que c'était lui le créateur face à sa créature. Les bébés spirituels détruisent, ils font du gâchis, il peut demander l'onction et puis il tombe dans le péché, il peut faire des retraites et Dieu lui donne l'onction, il lui communique un don, il donne un puissant ministère, il lui donne tellement de bénédictions qu'il va les gâcher parce qu'il ne comprend pas la valeur des choses. Que ce soit un jouet à 1000 euros, à 2 euros pour l'enfant, c'est pareil. C'est pareil. Ils sont destructeurs. Ils détruisent même l'église. Vérifiez souvent, la destruction de l'église provient rarement du diable. Ça provient souvent des enfants, des bébés spirituels qui sont au milieu de nous et qui ne comprennent pas la valeur de l'œuvre de Dieu. Mais les fils sont bâtisseurs, alléluia. Les fils font croître, les fils donnent la vie. Si on me dit que Oracle vient de donner la vie à une fille, c'est une catastrophe. Mais si ce mari, on me dit que sa femme est enceinte, je vais jubiler. Pourquoi? C'est le fils qui donne la vie. Les fils gagnent les âmes, vont dans les ténèbres, illuminent les ténèbres, amènent les gens à Christ. Ils font des disciples, ils enseignent la parole, ils amènent l'église à grandir. Quand tu lui donnes un département de 2 personnes, après un temps, il y a 100 personnes, 200 personnes, tu lui confies une église. L'église ne fait que grandir, pourquoi? C'est un fils qui bâtit et qui donne la vie. Fils ou enfant, regarde ton voisin, fils ou enfant. Combien de fois j'ai regretté d'avoir acheté certains jouets. J'ai regretté et j'ai dit à Oracle, plus jamais. Et combien de fois Dieu te dit plus jamais je ne te confierai autant de choses. Car tu t'es comporté comme un pourceau qui ne comprend pas la valeur des choses. Hallelujah. Les enfants sont dépendants.
tout le temps dans les pagnes des mamans et dans les pantalons de papa. Papa, maman, achète-moi ceci, donne-moi cela. Papa, je n'arrive pas à dormir sans toi. Maman, je vais dormir entre vous deux. Pourquoi ils aiment dormir entre les gens, hein? Hmm? Qui a des enfants? Ils aiment toujours dormir entre vous deux. C'est comme si le lit des parents a une onction formidable. Alléluia. Vous avez remarqué cela? Mais quand tu grandis, tu ne sauras pas dormir entre papa et maman. S'ils te disent, viens dormir entre nous, tu dis, hey! N'est-ce pas? Parce que tu es fils, tu es autonome, tu peux dormir dans le noir tout seul, tu peux aller loin tout seul. Alléluia! Les enfants spirituels, quand ils ont des problèmes, pasteur, quand ils ont des besoins, pasteur, et quand ils t'appellent la nuit, te trouvent au téléphone, ils commencent à pleurer, pasteur, je ne t'ai pas trouvé au téléphone, Jésus-Christ est toujours disponible, tu peux l'appeler le matin, midi, le soir, il sera là pour toi. Dépendant, le pasteur voyage, il voyage dans les valises du pasteur sans voyager. Il vient à l'église, vérifiant si le pasteur est venu. Il vient à la conférence, vérifier qui va prêcher. Un bébé spirituel qui vérifie qui va prêcher. Donnez-moi le programme. Qui va prêcher? Qui va prêcher? C'est tu un bébé. Ce sont les bébés spirituels qui vérifient le programme comme un menu. Je l'écoute pas. Tu es un bébé spirituel. Je te dis, tu es un bébé spirituel. Dépendant de l'église. S'il est à l'église, il va prier. Mais s'il est chez lui à la maison, il ne prie pas. S'il est à l'église, là, il va danser. Est-ce que tu danses dans ta chambre? Est-ce que tu parles en langue dans ta chambre? Est-ce que tu lis la Bible dans ta chambre? Est-ce que tu crains Dieu lorsque tu n'es pas à l'église? Ta sanctification dépend de nous. Ta crainte de Dieu dépend de nous. Un bébé spirituel, toujours dans les pagnes du pasteur, les pantalons du pasteur. Pasteur, nous ne sommes pas Dieu. Nous dormons aussi. Si tu m'appelles à 2h du matin, je suis en train de ronfler. Donne-moi la main, je vais te parler. Oui, des fois vous pensez que nous dormons jamais, nous faisons des intercessions en train de veiller sur vos âmes. Non, c'est Jésus qui veille sur ton âme. Moi aussi je dors. Dépendant du pasteur, dépendant de l'église. Et nous remarquons plein de frères et sœurs qui étaient en Afrique, qui priaient beaucoup. Lorsqu'il se retrouve en Europe et il n'a pas encore trouvé une église, il abandonne Dieu parce que son Dieu c'était le pasteur. Son Dieu c'était l'église. Il craint Dieu parce que le pasteur va le voir. Tu es un bébé spirituel. Jésus est mort seul à la croix. Sa mère était en bas. Il n'était pas Dieu avec sa mère. Il était seul. Il est allé seul dans le Sheol. Alléluia. Et déjà à l'âge de 12 ans, Jésus-Christ s'était séparé pendant un temps de ses parents. Et lorsqu'ils sont venus le chercher, il a dit, laissez-moi m'occuper des affaires de mon père. Certains, il est temps que tu quittes le confort de l'église mère, que tu ailles commencer une église quelque part, là où il n'y a pas le confort, là où il n'y a pas tout ce que tu veux, mais là tu engendres des disciples, et là tu es important. Le confort des fois de l'église nous détruit, nous empêche d'envoyer des missionnaires et d'être des missionnaires. Nous voulons tous des lumières, nous voulons tous prêcher alors qu'il y a la foule, mais il faut que tu ailles quelque part. Là où il n'y a personne, il n'y a pas ton pasteur. Les enfants se nourrissent d'illusions. Tu lui donnes une tétine, il pense qu'il mange. Il a faim. Tu lui mets sur mes tétines. Qu'est-ce que tu manges? Rien. Est-ce que la tétine entre dans le corps de l'enfant? Non. Il se nourrit d'illusions. Il achète une combinaison de Superman et il pense qu'il devient un super-héros. Tu as déjà vu ça? Ils se nourrissent d'illusions. Il pense qu'il est grand dans ses pensées. Il se nourrit des tétines spirituelles. Il est fort dans sa tête, mais dans la réalité, il ne l'est pas. Il pense être ce qu'il n'est pas. Il a des illusions de grandeur, des illusions de force, des illusions de puissance, alors qu'il ne l'est pas. Il attend des promesses qui ne vont pas s'accomplir, que Dieu ne lui a pas donné, mais qui s'est donné à lui-même, et avec des fausses interprétations des songes. «
Dieu n'accomplit pas nos rêves, il accomplit les songes qui viennent de l'esprit. Dieu n'accomplit pas nos désirs, il accomplit son plan. Mais les bébés spirituels ont des tétines spirituelles. Dieu a dit que dans 3 ans, il fera cela. Est-ce que c'est Dieu ou ce sont tes pensées? Les bébés spirituels ont des tétines. Au lieu de boire du lait, ils boivent du tétine. Et la tétine n'amène rien, mais te donne un confort pour un temps qui n'est pas un confort. Les bébés spirituels, il se dit à lui-même, ça c'est l'homme de ma vie. Et tout le temps tu le salues, tu le salues. Dieu lui a jamais dit. Dieu lui a jamais dit. Et tu le dis à tout le monde, c'est le mari de ma vie. Et lorsqu'il se marie à quelqu'un d'autre, tu quittes l'église, tu dis que Dieu t'a trompé. Tu étais dans des illusions. Est-ce que Dieu t'avait promis? Est-ce que Dieu t'avait dit? Est-ce que Dieu t'avait dit? C'était une tétine spirituelle. Jetez vos tétines. Je dis jetez vos tétines. Jetez les tétines. Jetez les tétines. Mais le fils, il aime la vérité. C'est un chercheur de vérité. Il jette la tétine. Il dit donnez-moi la nourriture. Je veux manger. Ose me mettre une tétine maintenant. Je vais la jeter. Jetez vos tétines, des illusions qui vous donnent des paix momentanées, mais qui ne sont pas de paix. L'enfant aime une nourriture monotone. Bouillie, 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 bouillie. Matin, bouillie. Midi, bouillie. Le soir, bouillie. C'est relax, c'est relax, c'est relax, c'est relax, c'est relax. Du lait, du lait, du lait, protivate. Je ne sais pas qu'est-ce que vous prenez ici. Bouillie, 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 bouillie. Mais quand on lui dit, tu dois maintenant boire le sang et manger la chair, il dit, les choses deviennent compliquées. Moi, je n'étais pas venu à l'église pour ça. Il faut qu'on lui prêche sa bouillie. Tu seras béni, tu seras béni. Bouillie, bouillie, bouillie. Tu vas monter. Bouillie, bouillie, bouillie. Bouillie, bouillie. Bouillie le matin, bouillie le soir. Bouillie, 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 bouillie. Il aime manger que la même chose, bouillie et bouillie. Et quand un jour on vient prêcher autre chose qu'il n'entend pas souvent, il dit vous êtes en train de dévier. Pourquoi? Parce que lui, si sa bouillie n'est pas servie, ce n'est pas la nourriture. L'enfant, il aime sa bouillie, une alimentation déséquilibrée. Si c'est le lait, il faut son lait et son lait et son lait et son lait. Et n'ose pas mettre ce lait en dehors de son biberon. Si tu oses le mettre dans un verre, il dit ce n'est plus le lait. Pour lui, le lait reste lait seulement dans le biberon. Ainsi, si même on lui prêche autrement, il dit ce n'est plus la parole de Dieu. Il faut qu'on lui prêche la parole comme il a toujours voulu entendu. Et il ne veut pas de nouveautés. Il ne veut pas de nouveautés. Ainsi, il fait de son ignorance une doctrine, une théorie, de sorte que il peut même réfuter une révélation parce que ça ne ressemble pas à sa bouillie. On te prêche souvent, tout le temps, les liens, les liens, les liens. Et puis un jour on te dit non, ce ne sont pas les liens, c'est la chair. Tu dis non, ce sont les démons, ce sont les démons. Non, c'est la chair, non, ce sont les démons. Je quitte cette église, là, on m'a dit ce n'est pas les démons. Bouillie, 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 lien, bouillie, lien, bouillie, chassé, chassé. Si les choses ne se passent pas comme d'habitude, l'enfant a peur. Ainsi, il vous conditionne à faire toujours ce qu'il veut et vous pensez que vous le dirigez alors que c'est lui qui vous dirige. Le monde même a compris, ils ont fait sortir un film sur un bébé boss, un bébé boss. Et c'est ça souvent, les bébés spirituels veulent diriger l'église, diriger les pasteurs pour qu'on leur donne tout le temps la bouillie et la bouillie et la bouillie. Paul dit dans, plutôt l'auteur des Hébreux dit dans Hébreux 5, versets 11 à 14, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à vous expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait, non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, acclamant la parole du Seigneur.
Jésus-Christ fait des miracles et des prodiges et il multiplie le pain et le poisson. Et la foule accourt encore. Et là, il leur dit, si vous voulez être mes disciples, vous voulez entrer dans le royaume, buvez mon sang, mangez ma chair. Et les gens disent, cette parole est trop difficile. Ils voulaient que Jésus-Christ devienne une boulangerie. Ils voulaient qu'il devienne une poissonnerie. Comment tu réagis lorsque tu ne trouves pas la parole que tu attendais? Comment tu réagis quand tu entres dans la présence de Dieu et tu pensais que Dieu allait te dire des choses qui te plaisent, mais il te dit le contraire? Une fois, j'ai lu un livre de Watchman Nee sur la libération de l'esprit. Et j'aime beaucoup l'onction, j'aime la puissance. Et quand j'ai lu le titre, la libération de l'esprit, j'ai dit, oh gloire à Dieu, on va m'apprendre à libérer la puissance. Je commence à lire ce livre bien-aimé. La première page, brisement. Deuxième, brisement. Et j'ai pris le livre, je l'ai déposé, je suis allé dormir. J'avais trop mal. Et le livre disait, continue encore, je lis, j'ai trop mal. J'étais un bébé. Je pensais que tout ce que Dieu fait, c'est toujours dans l'onction, dans la puissance, dans l'onction, dans la puissance, dans l'onction, dans la puissance. Alors que des fois, pour grandir dans la puissance, il faut que Dieu creuse le vase pour le remplir. Car si le récipient n'est pas assez creusé, il ne peut recevoir beaucoup d'huile. Et ça, j'en avais besoin. Si tu grandis dans l'humilité, tu vas grandir dans la puissance. Tu le sais aussi? Ce n'est pas seulement le jeûne et la prière qui donnent la puissance. L'humilité donne la puissance. L'humilité donne la puissance. La sensibilité au Saint-Esprit donne la puissance. Mais si pour toi, il faut seulement jeûner, il faut seulement jeûner, il faut seulement jeûner, tu es dans la bouillie. Un bon culte n'est pas seulement un culte qui te réchauffe. Un bon culte, c'est lorsque tu as entendu l'ainsi dit le Seigneur, que ce soit ce qui te plaît ou te plaît pas. Les adultes, ils aiment une nourriture équilibrée. Ils aiment les miracles. Ils aiment le brisement. Ils aiment la sainteté. Ils aiment la joie. Ils aiment la paix. Ils aiment le plein évangile. Ils aiment toute la parole de Dieu. Ils ne choisissent rien dans la Bible. Ils n'ont pas de préférence. Ils n'ont pas de préférence de prédicateurs. Mais ils ont des messages. Celui-là, j'aime pas son visage. Celui-là, j'aime pas. Est-ce que tu as déjà quitté un avion à cause du visage de l'hôtesse? Qui a déjà quitté un avion à cause du visage de l'hôtesse? Elle va te servir la même nourriture, la même chaise. Tant que je ne veux pas faire un crash, je reste dans cet avion, quoi que soit le visage et l'âge de l'hôtesse. Les gens qui quittent l'église. Pourquoi tu quittes l'église? Le pasteur n'est pas beau. Oh, je sais. Non, j'ai pris beaucoup dans cette église, le pasteur est très beau, ça fait classe. Comme ça, quand j'invite mes amis, ils disent que j'ai un pasteur beau. Mais non, c'est vous qui nous avez transformés en sapeurs. Si tu viens mal habillé, vous ne suivez pas très bien, il faut qu'on soit bien habillé. Vous êtes, c'est être bébé. Et si tu avais rencontré Jean-Baptiste, est-ce que tu allais dire grand homme de Dieu? Il s'habillait en quoi, bien-aimé? En peau d'animal. Mais c'était un grand prophète. Des fois, tu testes les protocolaires. Viens à l'église, très très simple. Ils vont te mettre derrière. Soit quatre épingles, tu es devant. Viens très simple, en babouche, en jean, tu seras derrière. Reviens le lendemain, sape-toi. Tu seras devant. Pourquoi? Nous sommes enfants. Les enfants, et là vous n'allez pas aimer, les enfants aiment recevoir. Donne-moi, donne-moi, c'est la chanson des enfants. Quand on les appelle seulement, achète-moi, 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 achète-moi. Des fois même, quand tu regardes avec la télé et que ça arrive seulement à la publicité, déjà je sais. Papa, oui, que je vous achète ce que vous avez vu à la télé. Oui, tu as compris. Prends la nourriture, donne à un enfant et reviens encore, dit donne-moi, il refuse. Il oublie après une seconde que c'est toi le donateur. Ils aiment recevoir les enfants. Ils aiment prendre. C'est rare un enfant qui donne. Et les enfants spirituels peuvent remplir l'église comme ça. Infidèles dans leurs dîmes, infidèles dans leurs offrandes. Est-ce que tu as donné ta dîme de ce mois?
Oh, je vais monter, je vais monter. Bien-aimé, tu veux monter? Est-ce que tu es incapable de prendre le un dixième? La dîme pour toi est une chose difficile. Bien-aimé, j'aimerais vous dire la vérité. Moi, la dîme, vraiment, c'est très facile. C'est parmi les choses les plus faciles de la vie chrétienne. Vraiment très facile. Tu imagines, tu as 9000 euros et tu donnes 900 euros. Qu'est-ce que tu as senti? Vraiment, si toi, tu as mal quand tu donnes la dîme, moi, vraiment, moi, j'ajoute. Ah, je t'assure. Malgré que tu pries et tu es là, tu es incapable de prendre le un dixième. Le minimum. Parce que moi, je dis que la dîme, c'est le minimum qu'on puisse donner à Dieu. Et vous qui dites que c'est l'Ancien Testament, écoutez maintenant. Si la dîme, c'est l'Ancien Testament et que maintenant le Nouveau Testament est contre la dîme, alors donnez tout à Dieu. Donnez 9 dixièmes et gardez 1 dixième. Mais c'est ça. Parce que Dieu va toujours de gloire en gloire. Oh non, c'est l'Ancien Testament. D'accord, c'est l'Ancien Testament. Alors donne plus que ta dîme. Parce que ce n'est pas que... Parce que c'est l'Ancien Testament, entre guillemets. Parce que je ne crois pas que l'Ancien Testament... Parce que la dîme existait même avant la loi. Jacob a donné la dîme avant la loi. Les offrandes, quel genre d'offrande tu donnes? Il faut toujours qu'on te pousse et qu'on te pousse. Bien aimé, je n'ai pas d'appel de fond pour prendre soin de ma femme. Alléluia. Aucun appel de fond. Quand moi je la regarde. Ah. take it. Je veux ça, tiens. Je veux ça. Maman, tiens. Tu veux ça aussi? Tiens. Mais à l'église, qui va donner? Quand tu vas acheter une télévision chez toi, il y a un appel de fond. Quand tu vas acheter une moquette, est-ce qu'on te demande? Toi-même, pour ton confort, tu l'achètes. Mais à l'église, donnez. Nous sommes des bébés. Donne-moi la main, je vais prêcher. Les bébés spirituels, ils aiment toujours recevoir, ils n'aiment pas donner. C'est pourquoi nous avons des problèmes quand Dieu commence à bénir les hommes de Dieu. Il peut trouver normal qu'un ministre soit riche. Il peut trouver normal qu'un avocat soit riche, qu'un professeur d'université soit riche. Mais si un homme de Dieu est riche, c'est un escroc, c'est un voleur. Le ministre, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il parle. Est-ce qu'il se bat? Moi aussi je parle. Le professeur, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il se bat, il parle. Moi aussi je parle. Mais lui donne que le cours de chimie. Mais moi je parle de sociologie, eschatologie, pneumatologie, sotériologie. Je dois être ton papa, ton grand frère, traiter, chasser les démons. Bien aimé, quand nous souffrons, nous sommes des hommes de Dieu. Mais quand Dieu commence à nous enrichir, nous sommes des escrocs. Quelle escroquerie de votre part? Oui, donne-moi la main, je vais te parler. Je dis toujours, je ne suis pas un féticheur. Le féticheur t'enrichit, mais il reste pauvre. Mais moi, je ne suis pas un féticheur. Je prie pour toi, tu deviens riche. Moi aussi, je deviens riche. Je prie pour toi, tu es élevé. Moi aussi, je suis élevé. Je prie pour toi, tes enfants deviennent grands. Mes enfants aussi deviennent grands. Je ne suis pas un marabout pour t'enrichir. Et moi, je reste pauvre. Alléluia. Alléluia. Ah, donne-moi la main, je vais parler. Si ton père physique devient riche, tu es content. Mais si ton pasteur devient riche, voleur. Si ton père physique monte, oh gloire papa, Dieu a béni papa. Mais si ton pasteur devient riche, allez faire une comptabilité des offrandes et des dîmes. Nous voulons comprendre, est-ce que c'est vraiment, c'est pas l'argent de l'achat de la parcelle? Vous commencez à faire des audits improvisés. L'enfance. Content quand on chante, on danse. Quand il faut donner. Quand on prêche, alléluia. Quand il faut donner. Mais vous voulez une belle salle, des belles lumières, et quand le son n'arrive pas, pasteur, et là-bas, l'écran là ne marche pas. Mais pour que ça marche, il faut l'argent. Pour que ça marche, il faut l'argent. Le direct, pasteur, le direct, on n'a pas le direct. Pour que le direct soit en direct, il faut l'argent direct. Mais c'est ça, le direct, il n'y a pas le direct. Vous vous plaignez des images, mais les images, il faut la caméra. L'image est floue. C'est parce que ton offrande est floue. C'est pourquoi l'image est floue. Alléluia.
vous nous exigez, faites ceci, faites cela. On le fait comment? C'est parce qu'il y a des fils à l'église qui donnent. C'est parce qu'il y a des fils qui donnent. Mais les enfants aiment profiter des offrandes des fils. Et quand l'église construit, achète, notre église a construit. Tu as donné quoi? Notre église est en train de monter. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Si ça t'énerve, tu es vraiment un enfant. Oui, si ça t'énerve, vous voulez l'excellence, mais vous ne voulez pas payer le prix de cette excellence. Bien-aimé, moi depuis que je suis pasteur, peut-être le pasteur Ivan, mais moi depuis que je suis pasteur, jamais l'argent n'est tombé dans ma chambre comme ça. Depuis que je suis pasteur, jamais je viens un ange tomber avec l'argent. Ce sont des hommes matures qui offrent pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais les bébés spirituels, ils viennent, ils commencent à critiquer le sang, ils critiquent, il fait chaud, ils critiquent ceci. Bien-aimé, moi aussi j'ai chaud. Si tu vas sur la climatisation, tu la mets. Pasteur, pourquoi il n'y a pas ça? Pasteur, pourquoi il n'y a pas ça? Pasteur, pourquoi il n'y a pas ça? C'est ça les enfants. Papa, tu achètes ceci. Pasteur, tu nous... Papa, tu achètes ceci. Papa, tu... C'est ça les enfants. Ils veulent que l'œuvre de Dieu avance, mais eux, ils ne font rien. Il faut ça, il faut une nouvelle moquette, il faut ceci. Alléluia. Mais Jésus-Christ est venu, il s'est offert à la croix, il s'est donné. Il a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, Paul le dit. Bien-aimés frères et sœurs, un fils aime donner. Il a la joie quand il donne, et quand il donne, et quand il donne, et quand il donne. Prêche ce que tu veux sur la dîme, je donnerai toujours ma dîme. Dis tout ce que tu veux sur la dîme. Moi, quand je donne, je vois la main de Dieu. Les enfants confondent les choses. Ils confondent le bonbon avec le savon. Ils confondent la poudre avec le lait. Ils confondent du jus avec l'alcool. Ils confondent les choses. Ils disent amen à tout et ils croient tout sans discernement. Mais les fils ont un sens de discernement. Ils savent juger le bien et le mal. Ils savent discerner les choses. Et aujourd'hui, vraiment, ça j'aimerais en parler. Parce que tout ce qu'on fait maintenant, il y a toujours un impact de l'Internet derrière tout ceci. Bien-aimés, les enfants ont le Saint-Esprit YouTube. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit YouTube. C'est YouTube qui leur dit quel programme ils doivent aller, quel pasteur est vrai et quel pasteur est faux. Ils n'ont aucun entendement personnel. Et ils croient quand YouTube a dit, voici les vrais hommes de Dieu, pasteur Marcel, ah, c'est un vrai. Voici les faux. Pasteur Marcel, c'est un faux. Ils ont un discernement qui ne vient pas d'eux. Ils vivent dans la confusion. Ils peuvent appeler un faux serviteur de Dieu un vrai, un faux. Ils peuvent appeler une fausse église une vraie église. Ils peuvent aussi appeler une vraie église une fausse église. Les enfants, lundi, tu es un vrai homme de Dieu. Mardi, tu es un faux. Mercredi, te récupère. Les enfants. Au début du message, j'étais un vrai serviteur de Dieu. Quand je parle de l'argent, je suis faux. Et maintenant que je rentre dans la sainteté, je deviens vrai, l'enfant. Ils font de leurs limites un principe universel. Lorsqu'ils ne comprennent rien, ça n'existe pas. Vous voyez qu'on était des enfants. 1 - 2, c'était quoi? Impossible, impossible, impossible. 1 - 2, impossible. Mais quand tu grandis, 1 - 2, -1. Non, ça n'existe pas. C'est pas parce que tu ne connais pas que ça n'existe pas. C'est pas parce qu'on t'a pas enseigné ça dans votre église que ça n'existe pas. L'enfant, il fait de ses cahiers d'affermissement toute la Bible. Ce qu'il ne comprend pas dans les choses de Dieu est faux. Lui, c'est seulement ce qu'il comprend qui est vrai. Les limites qu'il a dans la connaissance de la parole de Dieu deviennent toute la doctrine biblique. Ce qu'il aime dans les choses de Dieu, ça devient biblique. Ce qu'il n'aime pas dans les choses de Dieu n'est pas biblique. C'est ça un enfant. Il veut que tout le monde puisse manger à son goût. Vous connaissez ça, les enfants? Il peut vous imposer tous macaroni. Tout le monde, pâtes. Pourquoi? Lui veut les pâtes. Vous devez tous manger les pâtes. Les enfants.
Ces limites deviennent les limites des autres. Ces limites deviennent la loi, la pensée de Dieu. Ce qui ne comprend pas et ce qui n'aime pas, ce qui ne saisit pas, ce n'est pas biblique. Ce que lui aime, ce que lui comprend, c'est ce qui est biblique. L'enfance. S'il n'a jamais expérimenté la manifestation d'un ministère d'une certaine manière, c'est satanique. C'est satanique. Comment il peut dire à quelqu'un son nom, lui donner son adresse et puis parle, l'aveugle voit. Ça, c'est démoniaque. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu que c'est démoniaque. Comment il peut prier comme ça et puis il y a telle chose. Ça, c'est démoniaque. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu que c'est démoniaque. Et ce n'est pas parce que c'est une nouvelle connaissance de la parole qui bouleverse toute la connaissance que tu avais que ce n'est pas de Dieu. Il se peut que Dieu a envoyé Priscille Aquilas t'expliquer davantage ce que tu connaissais. L'enfant, il garde son dépôt à tout prix. Il ne faut pas qu'on bouge ça. Alors que nous évoluons, nous grandissons dans la connaissance. Il y a des choses qu'il y a 10 ans je prêchais. Aujourd'hui, je ne peux pas oser les dire. Jamais. Jamais. Il y a des cassettes, j'aimerais même que ça disparaisse. Oh, il y a des trucs que moi je disais. Hein. Gloire à Dieu. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui tu ne connais pas tout. Ouais. Prends un aveugle qui ne voit rien du tout et approche-le d'un éléphant. Cet aveugle-ci, il touche la trompe de l'éléphant. On dit, l'éléphant c'est quoi? Il dit, l'éléphant c'est un serpent sans tête. Amène un autre aveugle vers les pieds de l'éléphant. L'éléphant c'est quoi? C'est un arbre. Amène un autre à toucher son ventre. L'éléphant c'est quoi? C'est une grosse pierre. Amène un autre à tenir sa queue. L'éléphant c'est quoi? C'est un fouet. Qui a raison? Qui a raison? Quand je cherche Dieu, je découvre ceci en lui. Mais pendant que je suis en train de le chercher, quelqu'un d'autre aussi le cherche, il découvre autre chose. Et l'autre cherche, il découvre autre chose. L'autre découvre le prophétique, d'autres l'enseignement, l'autre la puissance, l'autre les miracles, l'autre la connaissance. Mais tout ça c'est l'éléphant, tout ça c'est l'éléphant. Dieu n'a pas à me demander la permission pour t'utiliser. Il n'a pas à me demander la permission pour faire avec toi des choses qu'il n'a jamais réalisées. Il n'a pas besoin de ma permission. Imaginez Élie qui paraît comme ça. Élie le Tishbite, qui est son père, qui est sa mère, on ne connaît pas, mais il paraît. Prions et le fait tombe. Dormant sur un mort, le mort ressuscite. Qui est son père? Qui est sa mère? On ne connaît pas. Dieu le manifeste. Point. Hallelujah. Les enfants, ils oublient leur mission facilement. Quand j'étais enfant, je ne comprenais pas ma mère. Elle peut t'envoyer, Marcelo, tu m'amènes du pain. Et puis tu vas, elle dit, reviens, reviens, reviens. Tu vas. Oui, j'ai dit quoi? Du pain. J'ai compris. Tu vas, reviens. J'ai dit quoi? Du pain. J'ai dit, maman, j'ai compris. Pourquoi? Tu peux envoyer un enfant amener du pain, il t'amène une pierre. Tu peux l'envoyer faire quelque chose, tu le trouves? Tu fais quoi? Je suis en train de jouer. Oh. Mais je t'ai envoyé. Hé, hey, papa, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Tu vas, tu l'amènes à l'école, tu payes les études, tu dis pour étudier. Et qu'elle revient, ah, papa, on a joué au foot aujourd'hui. Je dis, parle-moi de mathématiques. C'est, non, on a joué au foot, pas possible. Papa, demain je peux amener mon ballon. Mais est-ce que pas une équipe, ce n'est pas une école de footballeur, petit. L'enfant oublie sa mission. Mais le fils, il est fidèle à la mission. Lorsque Pierre a voulu dévier Jésus-Christ de sa mission, il devait mourir. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Chaque fois qu'on venait faire de Jésus-Christ le roi physique d'Israël, il refusait parce qu'il devait être un sacrifice et revenir comme un roi. L'enfant, il oublie sa mission. Des fois même, il ne sait même pas pourquoi il vient à l'église. Est-ce que tu sais toujours même pourquoi tu viens à l'église? Vous voyez des gens, ils vont à l'église et puis ils ne savent pas. Comment tu sauras si tu sais ce que tu vas faire? C'est ce que tu dis après le culte. Qu'est-ce que tu dis après le culte? Dieu m'a parlé, Dieu m'a enseigné, j'ai adoré Dieu. Ou bien, ah, il s'était bien habillé. Hein? Sa chemise là lui allait très très bien. Ce n'était pas un défilé de mode. Tu rentres, ah, les lumières étaient bien. Est-ce que tu sais toujours pourquoi tu sers Dieu?
Certains servent Dieu maintenant pour devenir des stars et des vedettes. Tu vois, dans son fonctionnement, il veut être une star, une vedette. Il oublie que Dieu l'a appelé à gagner les âmes, à prêcher l'évangile pour sauver les âmes. Il oublie. Est-ce que tu te souviens toujours des premières paroles que Dieu t'a données quand il t'a appelé? Est-ce que tu te souviens de ce que Dieu t'avait dit lorsqu'il t'avait dit « va » L'enfant oublie sa mission. Il oublie pourquoi Dieu l'a appelé. Sur le chemin, il l'oublie. Et puis il ramène à papa ce que papa n'a pas demandé. C'est pourquoi, chers serviteurs de Dieu, et je crois demain on va nous parler, n'oublie jamais ce que Dieu t'a dit au départ. Parce que quand la gloire vient, le succès vient, tu peux oublier pourquoi Dieu t'a appelé. Et commence à faire beaucoup de choses sans faire l'essentiel. Lorsqu'on t'a confié une responsabilité à l'église, on t'avait dit, tu es là pour ceci. Mais est-ce que tu fais ce qu'on t'avait demandé? Tu es là en train de murmurer, de critiquer, de dire ça là et de dire ça là et là et là et là et là. Est-ce que tu étais venu à l'église pour cela? Est-ce que c'était la tâche qu'on t'avait confiée? On t'a confié l'intercession, est-ce que tu pries? On t'a confié l'évangélisation, est-ce que tu pries? On t'a confié la communication, est-ce que tu communiques? Est-ce que tu fais ce à quoi Dieu t'a appelé? L'enfant oublie. Et si chaque fois que tu agis, Dieu doit toujours te rappeler. Pourquoi il t'a appelé? C'est parce que tu es un enfant. L'enfant doit tout le temps lui rappeler. Pourquoi on l'a appelé? Pourquoi on l'a envoyé? Pourquoi? Parce qu'il va oublier. L'enfant se contente de la main du père, mais le fils recherche la face du père. Pour ceux qui ont des enfants, n'est-ce pas que ça arrive des fois? Très tôt le matin, ils aiment bien déranger le matin. Il frappe à la porte, papa, papa, tu es fatigué. Et puis tu reviens, tu ouvres à demi la porte, tu donnes, et ils partent. Mais ils ne savent pas si tu étais ensanglanté, si tu étais malade. Il avait besoin de quelque chose, il frappe à la porte, et puis tu donnes. Il a besoin que de ta main, mais il ne te voit pas. Mais il est très content, mais l'adulte il frappe. Papa, mais pourquoi aujourd'hui tu n'ouvres pas, je ne te vois pas? Tu es malade? Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Mais le fils, il ne dit jamais tout va bien. S'il a reçu, ça lui va. Lui cherche Dieu que pour la bénédiction. Si Dieu ne bénissait pas, est-ce que tu allais l'aimer? Si Dieu disait les bénédictions, je les mets de côté. Vous m'aimez pour moi, est-ce que tu vas l'aimer? Dieu a fait ce test dans la vie d'Abraham et Abraham était un fils. Dieu lui dit, donne-moi ton fils Isaac que tu aimes beaucoup. Et il a donné parce qu'il aimait Dieu pour Dieu. Il n'aimait pas Dieu pour avoir un enfant. Moïse a vu des miracles, il a vu des prodiges. Dieu l'a utilisé de manière extraordinaire. Mais il pouvait se contenter de cela. Mais il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ta face. Je ne veux pas seulement ta main. Je ne veux pas seulement ta main. Révèle-toi à moi. Et Dieu lui dit, un homme ne peut me voir et vivre. C'est comme si Dieu avait dit, je ne peux t'exaucer. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu à la montagne de la transfiguration, la Bible nous dit que Moïse et Élie étaient là et Moïse a vu la face. Il a vu Jésus qui est la face de Dieu. Dieu l'a exaucé à titre posthume. Les fils recherchent la face de Dieu. Ils recherchent sa présence plus que tout. Mais les enfants, ils aiment le don plus que le donateur. La guérison plus que le guérisseur. Ils aiment la bénédiction plus que le bénisseur. Mais les fils, ils aiment. Ils aiment l'époux. Comme Esther. Esther n'a pas recherché les biens d'Assérus. Elle a recherché qu'être son épouse. Elle a tout reçu. Les fils reçoivent tout parce qu'ils recherchent la face. Car celui qui a la face a toujours la main. Mais celui qui a la main n'a pas toujours la face. Je n'aime pas Dieu parce qu'il m'élève, il m'est béni. Je l'aimais depuis que j'étais dans une chambre bizarre, une église bizarre, dans un quartier bizarre. Je l'aimais de la même manière lorsque j'avais même pas l'argent pour aller à l'église et que j'allais à l'église à pied et que je prêchais et qu'on me donnait rien du tout. Qu'est-ce qui te motive? Sa main, tu es un enfant. Les fils veulent voir papa. Plus mon fils grandit, je vois qu'il veut plus être mon ami. Il veut plus trop que je lui achète des choses. Il veut devenir mon ami. Plus il grandit, il veut partager mon cœur, me poser des questions sur le ministère. Il me pose des questions. Qu'est-ce que tu vas prêcher? Qu'est-ce que tu as dit? Des choses qu'il ne posait pas quand il était enfant. Quand il était enfant, tu reviens. Papa, tu m'as acheté ça. Maintenant, il veut connaître ton cœur.
Dernièrement, alors que je priais, Dieu m'a dit, tais-toi. Je dis, non, je vais te parler. Tais-toi, reste calme. Des fois, je veux seulement que tu sois là. Seulement là, je fais rien. Oui, seulement que tu sois là. Je me plais à ta présence. Sois seulement là. Ne demande rien. Ne demande pas que l'église grandisse. Ne demande pas l'onction. Ne demande rien, rien. Sois seulement là. Et j'étais là. Et I feel the presence. Et j'étais seulement là. Je ne demandais rien. Je ne disais rien. Je ne faisais rien. J'étais seulement là. Et j'ai senti sa présence. Quand je suis monté prêcher la parole, la puissance de Dieu m'a accompagné. Des miracles se sont produits. Mais je n'avais rien demandé. Mais j'avais tout. J'avais le donateur. J'avais la source. J'avais tout. Les enfants sont malpropres, ils n'aiment pas l'eau. Surtout en Europe, ah, l'eau est froide. L'enfant n'aime pas l'eau. Quand il faut, va te laver. C'est pas toi, mais moi, quand j'étais un enfant, comme disait, va te laver, en train de suivre mon meilleur feuilleton, j'avais une stratégie. J'allais dans la salle de bain qui était à côté du salon. J'ouvrais le robinet et je commençais à bouger l'eau. Comme ça, ils entendaient qu'il y a un mouvement. Et puis, je lavais le visage et le bout des mains et les pieds parce qu'ils aimaient vérifier là. Et je porte un nouveau pyjama. Et je viens, je me suis lavé. Mais les mamans maîtrisent les enfants. Ils disent, tout est lavé. Je me suis lavé. Ils disent, les minutes là, cette propreté avec les minutes, non, ça ne va pas. Viens un peu. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle sent ton odeur. Et quand elle te dit, fais ça. Yeah! Et les bébés spirituels, ils lavent tous mes gardes des péchés chéris, ils abandonnent tous mes gardes, une partie, ils ne se lavent pas totalement parce qu'ils n'aiment pas la sainteté, mais ils cherchent une sainteté pour la bénédiction, pour voir un film, mais pas pour sa santé, ni pour son hygiène, et tu gardes toujours des coins de ta vie qui sont sous l'emprise du péché. Mais les fils se sanctifient totalement, se sanctifient parce qu'ils aiment Dieu, et parce qu'ils savent que la sanctification, c'est la nature de Dieu. Est-ce que tu vis dans la sainteté? Est-ce que tu aimes la sainteté? Tu te sanctifies parce que tu as peur d'aller en enfer ou tu te sanctifies parce que tu aimes Dieu? Tu te sanctifies pour être béni ou bien tu te sanctifies parce que tu aimes la communion avec Dieu? Et il y a une odeur qui se dégage de la vie de chaque enfant. L'odeur du péché qu'il se cache. L'odeur du péché chéri qui est caché quelque part mais qui est réel. En apparence, c'est comme s'il est lavé. Mais il y a des ombres dans sa vie, des domaines dans sa vie qui sont encore sous l'emprise de l'ennemi. Mais le fils, il se présente devant l'eau. Que l'eau soit chaude, que l'eau soit froide ou glacée. Il aime tellement la propreté qu'il peut même en train de se laver, en train de grelotter. Mais il accepte sa douche. Même si la parole te fait grelotter. Même si le Saint-Esprit te dérange, mais tu acceptes. Jésus, voici un autre domaine de ma vie que je te présente. Personne ne le connaît, mais toi tu me connais. Traite ceci dans ma vie. Car ce n'est pas à l'homme de déterminer ta sanctification, c'est Dieu. C'est Dieu qui a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? C'est Dieu qui détermine notre sanctification. Et j'aimerais terminer. Les enfants pleurnichent tout le temps. S'il y a une chose que j'aime pas quand je voyage, que j'ai à côté de moi, une maman avec un bébé. Tu t'imagines, tu viens de prêcher comme tu as prêché là, tu es KO fatigué, tu te dis je veux au moins dormir dans l'avion. Et puis tu entends. Tu te dis, dans une minute, cet enfant va dormir. Yeah! Et plus on calme, plus il pleure. Et quand il y a des trous d'air, il pleure encore. Et quand l'avion monte, il pleure. Tu te dis, vraiment, maman, il n'y a pas un coin bébé dans l'avion. Les enfants pleurent tout le temps. S'il a chaud, il pleure. S'il a froid, il pleure. S'il a faim, il pleure. Des fois, s'il est très heureux, il pleure. Il pleurniche tout le temps. Comment ça va? J'ai des problèmes. Dieu m'a abandonné. Je ne sais pas si Dieu m'aime.
avec tout ce que j'ai fait dans son église. Dieu m'aime pas. Je suis déprimé. Un enfant de Dieu n'est pas déprimé. Un fils n'est pas déprimé. Un fils peut pleurer pour un temps et il entre dans la joie de Dieu. Jésus-Christ vient au deuil de Lazare, il pleure parce que c'était sa dimension humaine. Mais après il sèche les larmes, il change le deuil en croisade d'évangélisation en fait. Et Paul dit, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. J'aimerais te dire ceci, la joie est un signe de maturité. Je dis, la joie est un signe de maturité. La joie est un signe de maturité. La joie est un signe de maturité. Lorsque les églises de réveil avaient commencé à Kinshasa, la joie était un signe d'immaturité. De sorte qu'on reconnaissait les hommes spirituels et l'église par ceux qui ne riaient jamais. Ils étaient tout le temps là. Pourquoi? Il est intercesseur. L'intercesseur ne rit pas tout le temps. Il doit être concentré pour attraper les sorciers. Ah oui? Et les hommes très spirituels de l'église ne souriaient jamais. Tout le temps, il paraît. Ils étaient dans la présence de Dieu concentrés. Archifaux, hypocrisie. Toi, tu ne ris jamais. Nous tous, nous rions. Mais tout le temps. Si tu ris beaucoup, mais pourquoi tu ris comme ça? Il faut être concentré. Bien-aimé, tu penses qu'au ciel, nous allons nous ennuyer? Tu penses qu'au ciel, on va commencer à te dire, ne parle pas trop fort, Dieu surmené, ou Dieu avec une vieille barbe, et il a trop vieillard, et il faut marcher lentement. Quoi? Fais attention, pas du bruit, nous sommes au ciel. Non, le ciel, c'est une fête. C'est la fête des fêtes. Je dis, c'est la fête des fêtes. Je dis, le ciel, c'est la fête des fêtes. Organisée par des anges. Michael va jouer la guitare. Gabriel va jouer la guitare. Et j'aimerais vous dire, c'est la fête organisée par un jeune. Parce que Jésus-Christ n'est pas un vieillard. Celui qui est à la droite de le Père est un jeune. Oh oui, tu crois que Dieu est jeune? La Bible dit, en lui il n'y a ni ombre de variation ni de changement. Et si en lui il n'y a point de changement, Dieu n'est pas vieux. Si tu es dégoûté d'aller au ciel, c'est la religion. La révélation te donne envie d'aller au ciel. C'est ça la vraie vie, c'est ça la vraie joie. Et nous devons être heureux à l'église. S'il y a un endroit où nous devons chasser la tristesse, c'est l'église. Même si je n'ai pas tout ce que je veux, je suis dans la joie. Même si je n'ai pas encore vu, je suis dans la joie. Même si Dieu ne m'a pas encore béni de manière manifeste, je suis dans la joie. Et Rababa Sotorobosaya, apprenez à venir à l'église en train de parler en d'autres langues. Tu es heureux, tu mets une belle musique dans ta voiture. Oui, bien aimé. Oh my God. Et je viens de rencontrer des personnes merveilleuses. Je suis allé à Liège prêcher et invité par des footballeurs, chrétiens footballeurs. Bien-aimés, j'ai vu quelque chose parmi eux. Vous savez ce qu'ils font? Ils font la vie en Christ. C'est-à-dire, ils ont la vie des boîtes, mais pas des boîtes, mais la vie des restaurants en Christ, en Christ. Ils font comment? Ils vont dans un restaurant et puis ils mettent la joie dans le restaurant. Ils commencent à chanter jusqu'à 2h du matin les louanges de Dieu. Et ils sortent ivres du Saint-Esprit du restaurant. Je les regarde, j'ai dit, mais vous n'avez pas peur. Mais nous sommes dans la joie, pasteur. Jésus-Christ vit en nous. Frères et sœurs, c'est possible. Ne pense pas que tu attires les gens par ta tristesse. Tu n'attires personne par ta tristesse. Le monde d'aujourd'hui a besoin de personnes heureuses, malgré les inflations et les déflations. J'habitais un hôtel rempli d'hommes riches. Tout le monde était coincé. Et à force qu'ils étaient coincés, ils me coinçaient aussi. Ils mangent calmement, ils sont là. J'ai dit non, mais ça c'est pas moi. J'ai dit demain vous allez voir. Je suis descendu de ma chambre, j'ai mis mes écouteurs, je te coule et je chantais. Tout le monde m'a regardé. Ah, alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il est temps que tu puisses prêcher au travers de ton bonheur. Réjouis-toi dans le Seigneur. Je le répète, réjouis-toi dans le Seigneur. La chorale va monter. Nous allons danser dans la joie. Nous allons célébrer le Seigneur dans la joie.
Il est temps que nous puissions chasser la tristesse de l'église. Bien-aimés frères et sœurs, il y a tellement d'hommes qui pleurent dehors. Et il ne faudrait pas, lorsqu'ils viennent à l'église, ils trouvent des gens qui continuent à pleurer et à pleurer. Toi, tu es différent, tu as Jésus. Même si tu n'as pas encore d'enfant, tu as Jésus. Même si tu n'as pas encore le boulot, tu as Jésus. Même si tu n'as pas encore les papiers, tu as Jésus. Même si tu n'as pas encore le travail, tu as Jésus. Même si ta vie ne marche pas comme tu veux, tu as Jésus. 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 Ma joie ne vient pas de l'extérieur. Ma joie vient de l'intérieur. Ma joie ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Regamama sitelebashaya. Indalababa sutelebashaya. Les bébés pleurent, mais les fils sourient. Le bébé pleure, mais le fils rit. Acclame mon Dieu. Acclame ton Dieu, ne te rachetez.
Lève tes mains. La louange attire la gloire de Dieu. Une vraie louange qui provient du cœur attire l'onction de Dieu. Avant de quitter cette estrade, je vais prier pour des hommes et des femmes. Ce soir est ta soirée. Seigneur Dieu de gloire, vois cet homme qui, en dépit de ses problèmes, te célèbre et te glorifie. Sens ton esprit. Nous sommes incapables de vivre cette vie. Tu as dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Je demande que ton onction, que ta puissance descende sur 50 personnes dans cette salle. De manière évidente. Reçois, 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 50 personnes. Reçois, 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 reçois. Oh, l'honneur seulement au Saint-Esprit. Dieu veut te revêtir de sa puissance. Je prie pour encore 50 autres personnes, qu'elles soient revêtues de puissance pour aller évangéliser, pour aller prêcher ces choses. Évangéliste, gagneur d'âme, est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends le son de ma voix? Sois prêt, car maintenant, la puissance de Dieu va tomber sur 50 personnes pour l'évangélisation. Une, deux, trois, réussis, 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 recevez! Plus, 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 plus. Touche, Père, touche. Je prie pour tous les assoiffés en ce lieu. Toi qui as soif d'une nouvelle dimension dans les choses de Dieu. Toi qui désires une autre dimension de gloire. Là où tu es, reçois le revêtement de puissance. Reçois le revêtement de puissance. Reçois le revêtement de puissance. Receive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier en d'autres langues. Commence à manifester ce que tu reçois maintenant. Rekababashaya, 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 indaregezeya, inderegebebebesaya, ikarebababasotolobosaya, rebababasandalabashaya, rebababasotolobro, ikerebebebebebebeshinda. Lève tes mains. Père Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait ce soir. Je te remercie pour ta présence au milieu de nous, pour l'onction de ton esprit qui est en train de planer en ce lieu. Je te remercie pour les malades que tu guéris. Malade, reçois la guérison. 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 Tu ne seras jamais plus le même, jamais plus la même.
Ce revêtement de puissance va t'amener à un autre niveau. Tu dois le croire pour le manifester. Car celui qui reçoit et s'il ne croit pas, il ne peut manifester. Ne peut manifester que celui qui croit avoir quelque chose. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur. Yes, you are the Lord, most high.